Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazon. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Au sommaire de cette émission, une section web dans laquelle on vous parle de WordPress, JavaScript et de mobile. Le dossier de cette émission est consacré à la gestion des mots de passe, pour les développeurs bien sûr. Et dans la toolbox, on vous montrera comment marier Bootstrap et jQuery et bien d'autres choses. Enfin, dans la zone CountoCat, on vous propose de faire un tout petit peu d'exercice physique. Mais avant, il me doit d'accueillir Teddy. Comment tu vas, Teddy ? Ça va très bien. Ça va, c'est la forme ? Ça va. Bon, c'est cool. Alors, je te propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on enchaîne tout de suite avec la section veille. Gardez l'œil ouvert, c'est la section veille. Et dans la section veille, je te propose de te parler d'une petite présentation qui parle des transients sous WordPress. Alors, les transients, pour faire rapide, c'est une API qui est proposée par WordPress qui permet de stocker des trucs un peu temporaires. Donc en gros, ça permet de stocker une donnée, de dire ça expire à telle date, et puis ça, WordPress va te la rendre inaccessible à l'heure et à la date à laquelle tu le donnes. Ça, c'est pas mal utilisé notamment dans les API de cache, et puis voilà, c'est le genre de choses qui sont assez peu utilisées dans les développements de sites web. Donc voilà, donc c'est Julio Potier qui a pris un peu le temps, qu'on a d'ailleurs eu dans ces émissions, qui a pris un peu le temps de faire cette présentation sur les transients, qui est une API qui est pas dingue, qui est hyper simple à utiliser, qui fait pas grand chose mais qui le fait bien. Mais ceci dit, voilà, pour mettre des choses en cache, des trucs, et donc pas avoir à régénérer des calculs un peu lourds et tout, c'est pratique, ça marche bien, c'est simple à utiliser, efficace, donc n'hésitez pas. Et ce qui est intéressant sur les transients, c'est qu'on peut choisir le système de stockage. On n'est pas obligé d'aller directement en base, on peut rester sur des Redis ou des mêmes caches. Donc moi, je trouvais ça intéressant parce que c'est peu exploité et toujours utile de savoir que c'est disponible sous WordPress. Est-ce que toi, tu t'en sers un petit peu? Non, pas du tout, mais je me demandais s'il y avait le même genre de mécanisme sur Drupal. Je sais plus, en fait. Je me rappelle pas avoir déjà eu l'utilité de ça. Mais ouais, c'est très bien pour le cache notamment, effectivement. Carrément, ouais. Après, voilà, ça permet de... Surtout si tu peux le sortir de la base de données et... Alors voilà, tu peux le sortir de la base de données, exactement, et tu peux... Non, c'est cool, moi je m'en sers pas mal. Tu vois, quand t'as des grosses requêtes ou même des API, des gros appels d'API à faire, genre quand t'as des gros Google Maps ou des choses comme ça à sortir... C'est assez utile pour toutes sortes de caches, c'est vachement bien. Donc voilà, donc c'est elle est simple, elle est claire. Voilà, je vous invite à la lire, c'est toujours intéressant de découvrir ça. Et je vous propose que nous enchaînions avec Teddy qui nous propose une présentation d'un concept ou technique dans JS par semaine. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est un petit site en anglais, bien sûr, qui s'appelle jsforalloff.us. C'est JS pour nous tous. JS pour tous. Et voilà, donc c'est un site qui est mis à jour une fois par semaine. Ouais. Et qui va présenter à chaque fois un concept ou une technique en JavaScript. Ah, ça c'est cool. Alors, je pense que c'est aussi bien à lire pour les débutants, les développeurs débutants. Ouais, carrément. Et même pour les développeurs plus avancés. Et je l'ai trouvé sympa parce qu'il est bien présenté, à chaque fois c'est documenté. Et en plus, il est possible de dire si c'est une erreur ou des choses meilleures à faire dans les commentaires. Ouais, d'accord. Voilà. Et voilà, par exemple, parfois les articles vont traiter vraiment de, par exemple, les arguments d'une fonction. Ouais, d'accord. On n'est pas obligé d'utiliser que les arguments qui sont passés dans la signature de la fonction. On peut aussi avoir plus d'arguments qui sont passés, qui sont disponibles dans la variable. D'accord, ouais, donc ça permet de découvrir en plus des fonctionnalités qu'on ne connaît pas forcément. Oui, ouais, clairement. Et aussi, parfois, ça va parler de, j'en ai vu un qui était intéressant, sur des systèmes de templating qui existent en JS. Yes. Donc voilà, ce n'est pas forcément que du JS pur, mais ça va présenter beaucoup de choses un peu dans tous les sens. Voilà, ce n'est pas pour apprendre JavaScript, c'est vraiment pour... C'est vraiment quelque chose, je pense, qui est à lire régulièrement. Un point précis par semaine, expliqué. Ça va de
de l'opérateur logique non, vous savez, le point d'exclamation, jusqu'à des systèmes de templating, les pré-incréments et les post-incréments, comment ça marche, ou alors des choses un peu plus compliquées comme le strict equality checking, donc le double égal, triple égal, ou plus si affinité, les callbacks, d'accord, donc il y a des choses un peu avancées, des choses un peu plus pour débutants, C'est ça. mais... Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment expliqué à fond, quoi. Ouais, c'est clair, avec des codes d'exemple, etc. Donc, Exactement. il y a un flux RSS et un compte Twitter pour s'y abonner. On vous invite à le faire. Moi, en tout cas, je le ferai. Eh bien, écoute, je continue et je te propose cette fois-ci, moi, je continue dans mes présentations sous WordPress. Parce qu'il y en a eu beaucoup ces 2 dernières semaines et qui étaient intéressantes. Et donc, cette fois-ci, c'est celle de Jonathan Butiguier. Je suis sûr que je prononce mal son nom. Il va m'en vouloir, je m'en excuse. Qui cette fois-ci nous parle sous WordPress de l'API cron, donc pour gérer les tâches planifiées. Elle a 2 choses intéressantes sous cette présentation. La première, c'est qu'elle utilise un service que je ne connaissais pas, qui n'est pas SlideShare, que j'utilise beaucoup moi pour découvrir des présentations, qui est slides.com et que je trouve un peu plus joli que SlideShare. Donc c'est la première. Et la deuxième, c'est que cette présentation est cette fois-ci un peu plus précise que celle faite sur les transients, c'est-à-dire que ça va plus dans les détails, etc. Bon, ceci dit, l'API cron est un peu plus riche que l'API des transients, donc ça justifie, ça explique pourquoi c'est un peu plus détaillé. Mais voilà, c'est aussi un truc qui est pas mal à utiliser quand on veut faire des gros traitements. Enfin, moi, je sais que l'écran, j'utilise pas mal quand je fais des cartes pour géolocaliser en background, parce que quand j'ai 800 points à géolocaliser, bah, c'est un petit peu long de le faire à la main, enfin de le faire en foreground. Donc du coup, j'utilise pas mal les API cron pour ça. Mais il y a plein d'autres utilisations possibles. Et du coup, si vous ne les connaissez pas ou si vous avez des questions sur comment fonctionnent les tâches planifiées sous WordPress, cette présentation vous donnera les bases et les ressources pour aller voir un peu plus loin. Est-ce que du coup, toi, déjà, est-ce que tu partages ton avis sur le fait qu'elle est quand même... Elle est jolie cette présentation, je trouve. Non? Oui, c'est vachement bien Je fait. Même trouve les ça supports chouette. lui-même, mais mieux que c'est tiens, effectivement. Ouais, moi je trouve. Est-ce que tu te sers un petit peu des tâches planifiées sous WordPress de temps en temps ou pas des masses? Non, je n'ai pas eu l'occasion de le T'as faire pas eu encore. l'occasion d'en faire. Bon. Mais après, effectivement, c'est beaucoup utilisé pour les envois de newsletters, ce genre de choses. Yes, exactement, bien sûr. Donc souvent, on s'en sert sans vraiment le savoir, mais ouais, si un jour on a besoin de s'en servir, c'est pas mal de garder de passer un peu de temps sur cette présentation. Exactement. Bon, eh bien écoute, à toi de nous parler de comment fonctionnent des objets en JavaScript. Ouais, c'est encore une fois, c'est un petit article. Enfin non, celui-là n'est pas petit, celui-là pour le coup, qui va présenter là pour le coup vraiment dans le détail le fonctionnement des objets en JavaScript. Ah, Parce que c'est de tous les objets en tant que tel, en fait, oui, en fait d'accord. c'est le fonctionnement, voilà, c'est le fonctionnement générique d'un objet en JavaScript. D'accord. Et c'est pas mal pour déjà pour les débutants parce que c'est vrai que c'est un peu spécifique le Oui. fonctionnement. Et après, même pour les développeurs plus avancés, voilà, là on rentre vraiment dans le détail du fonctionnement des objets. Ah oui. Et j'ai trouvé vraiment, vraiment super intéressant, c'est très didactique. Et surtout, ce que j'ai apprécié dans cet article, c'est qu'à chaque exemple de code qui est donné, Ouais. on a un lien vers un JS Ah, Cibler qui pour va pouvoir mettre jouer un ça peu en. avec et Exactement. être motivé. Donc voilà, chaque nouvelle notion ou à chaque nouvelle entre guillemets technique qui est présentée, on peut aller tout de suite jouer avec dans son navigateur. C'est super bien fait. Donc pour tous ceux qui veulent aller à fond dans comment ça fonctionne les objets en JavaScript, c'est un super bon lien pour ça. Carrément, non, c'est vrai que c'est toujours un peu obscur les objets en JavaScript, surtout que Bah, c'est surtout que ça marche pas bah, c'est pas exactement un comme langage de classe, hein, JavaScript, c'est un langage qu'on appelle prototypé. Alors voilà, il est dans cette catégorie-là, et du coup, effectivement, on n'est pas dans le même mode de fonctionnement que toutes les autres classes, mais Exactement. je On trouve peut ça vraiment faire cool. la même chose qu'avec des classes classiques, mais Mais c'est du effectivement, ça marche coup, pas exactement mais du pareil. coup, ça offre en fait, ça offre des options et Ah une oui, liberté qui sont c'est pas sensiblement plus forcément mieux ou grandes. moins bien, mais voilà. C'est intéressant d'avoir le détail. Oui, effectivement, là, on est en train de regarder. Effectivement, c'est quand même un bel article. Hein, Oh, il y a vraiment y a beaucoup de pas mal de choses. choses. Et sachant que même avec MassScript 6, ça restera encore d'actualité, même si il y aura des syntaxes qui seront plus simples Ouais. pour se rapprocher plus du langage objet classique, Oui.
Mais ça restera compatible. Ok, non, c'est cool, un bien bel article que tu nous proposes là. Et je te propose du coup que tu nous parles des nouvelles fonctionnalités dans Rails 4.2. Ouais, ce qui est rentré en bêta Ah, très récemment, ça bêta fait 1. une dizaine de jours, il me semble. D'accord. Et on sait ce qu'il va y avoir de nouveau dedans. Et Alors, très alors? rapidement, les nouveautés, ils les ont appelées Active Job, Deliver Later, Adequate Record et Web Console. Bon. Alors, qu'est-ce que ça fait dans le détail? Active Job, en De fait, quoi que ça ça va être s'agit? ça va être, comment on explique ça? Une sorte de surcouche intégrée dans Rails de base pour tous les systèmes de background job. D'accord, Et donc. plutôt que d'utiliser. Alors, pour les background jobs dans Rails, il y avait Delay Job, il y avait Rescue, pour les principaux, il me Enfin, tout semble. ça, c'est des gemmes Voilà, c'est des gemmes, c'est externes à des Rails. plugins pour Ouais, ceux voilà. qui sont plus habitués à ce terme-là. Et donc, avant, pour gérer ces jobs en background, il fallait qu'on utilise une gemme qui était très D'accord. bien faite, etc. Mais du coup, comme c'est différentes gemmes, c'est pas forcément la même syntaxe, pas forcément la même fonction. Oui, et puis tu peux voir, tu pouvais, ch chacun choisissait sa gemme, du coup, Ouais, voilà. c'était pas tout le monde pareil, ça aidait pas à l'uniformité. Donc aujourd'hui, on pourra toujours choisir la gemme qu'on veut, sauf que dans la plupart des cas, on a juste besoin d'ajouter un job à une queue, à telle queue, etc. Et pour ça, du coup, on a les méthodes qui sont disponibles directement dans Rails. Donc on utilisera la plupart du temps toujours la même méthode, peu importe le D'accord. moteur qui derrière gérera dans les faits le Ah, job. tu veux dire que c'est une surcouche sur l'ensemble des plugins, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà. Tu choisis ton plugin et tu rajoutes ActiveJob va te virtualiser tous les plugins du dessous et tu passes C'est de plugin ça. à l'autre. Et en fait, ça va même plus loin que ça, c'est Ouais, que c'est même cool si on ça. n'a pas la gemme derrière qui va gérer les tâches en background, Ouais. on peut quand même appeler la fonction. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle du coup. Je vais la retrouver, je ne me rappelle plus. Bon. Bon, je l'avais lu, mais je ne me rappelle plus. C'est pas. Mais tu pourras quand même l'utiliser et du C'est coup, pas ça va Deliver juste. Letter? Non, Deliver Later, c'est encore autre C'est encore chose. autre chose, ok. Mais il y a deux méthodes en fait. Il y en a une qui est pour ajouter et l'autre qui est pour supprimer, il me semble, tout D'accord. simplement. Et même s'il n'y a pas de gemme pour gérer derrière le background, en fait, tout simplement, il va tout de suite lancer la tâche. Ah oui, d'accord, donc Voilà. il va juste l'exécuter tout de suite et C'est puis voilà ça. quoi. Donc c'est pas mal, notamment pour les développeurs qui vont créer un nouveau produit Ouais. et ils savent que potentiellement plus tard, telle tâche ou telle tâche sera Ah nécessaire d'être punaise, je vois très effectuée bien. en background. Ouais, Mais on n'est pas ouais, obligé de s'en préoccuper tout de suite. On peut déjà écrire la fonction qui va l'exécuter plus tard en background, mais qui, sans la gemme, l'exécutera pour l'instant en temps réel, en parce temps qu'il n'y a pas réel. de, il n'y a pas de, il n'y a pas de besoin de mettre un Voilà. background tout de Et suite. ça, du coup, Ah, c'est cool ça c'est comme quand même idée. super bien pour Et ça. donc, est-ce que tu penses, hein, du coup, je sais, enfin là, je sais pas si tu as la réponse, parce que c'est encore en bêta, mais est-ce que tu penses que du coup, ça peut inciter les développeurs qui font un nouveau produit de tout mettre en tout en activer le mode background sur quasiment tout pour après mettre à disposition. Ah non, parce qu'en fait, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que tu peux pas, Ah quand oui, tu actives après, ta gemme, tu peux oui. pas dire que telle méthode et telle méthode et telle méthode. Non. C'est toutes les méthodes ou pas. Donc du Voilà. coup, non, ça fonctionnerait pas. Que tu pourrais dire, tu vois, si tu avais cette flexibilité-là, ce qui pourrait d'ailleurs arriver, de dire bah, je mets par défaut Ouais, mais tout du en coup, backgroundable et ce puis. serait complexe pour pas grand-chose. Oui, c'est Non, vrai. mais par contre, il y a toujours des tâches. On sait très bien qu'à terme, quand on arrivera à beaucoup d'utilisateurs, il faut les Il envoyer en faudra les background. mettre Enfin, en avant. typiquement, c'est dès que tu envoies un mail. Carrément. Sauf peut-être quand tu inscris un utilisateur, mais dès que tu envoies un mail, il faudra l'envoyer en background, c'est beaucoup. Yes, bah oui, c'est clair. Pour Je en vois. revenir à la méthode Deliver Later, Oui. c'est une autre méthode qui est spécialisée là pour les mails. Ah, Voilà, d'accord. c'est pour Action Mailer, il me semble que c'est. Oui, c'est Action Mailer. C'est juste que ça délivrera les mails later, Plus tard. c'est-à-dire ça va le mettre Dans la file d'attente des dans la mails, et mail, puis quoi. ça partira quand ce Donc sera voilà, prêt. là typiquement, ça fonctionne de la même façon que les deux autres méthodes. C'est Deliver Later, et ben s'il n'y a pas de gemme qui va s'occuper de gérer la background queue, Ouais. et ben du coup ça va l'envoyer Ça va tout de l'envoyer suite. tout de suite et Voilà. puis c'est tout. Donc Ouais, c'est cool ça, en c'est fait une c'est belle vachement fiche, bien. c'est clair. Ils ont rajouté aussi ce qu'ils appellent la Global ID Library. Et en fait, Ouais. c'est quelque chose qui va rendre transparent le fait de passer à un objet Active Record. Et Active Record, c'est C'est l'ORM de l'ORM, Rails. Et du coup, on n'est pas obligé de serialize nous-mêmes l'objet qu'on veut ouais. Ah ouais, passer. d'accord. Il le fait automatiquement. Ouais, c'est cool. Ouais. Dans les autres choses qui sont incluses, bon, il y a la web console, ça vous irez voir, mais moi je trouve pas que ce soit ultra puissant, parce qu'on a déjà des gemmes qui le font aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que ce sera du coup inclus dedans. Il y D'accord. a ce qu'ils appellent Adequate Record, qui est en fait une modification sur Active Record qui va permettre de mettre en cache pas mal de requêtes.
D'accord. requêtes simples du genre select, find set ID dans tel table, ils vont les Ouais. mettre en cache. Ah, c'est Voilà. Vous cool. pourrez aller voir dans les notes de version qui sont sur le site de Ruby on Rails. Yes. Ils expliquent assez dans le détail comment ils ont fait ça, c'est assez intéressant. Mais Cool. grosso modo, ça veut dire qu'automatiquement, on aura de meilleures performances. Ouais. Voilà. Il y a plein de, il y a plein eu, il y a eu plein d'autres modifications que vous irez voir. Donc C'est c'est quand un même peu moins. une belle mise à jour, Ouais, ça mais. ressemble parce que c'est les Ouais. fonctionnalités dont tu parles, ça semble quand même à c'est des belles évolutions quand même, Oui, ça clairement. sent c'est des C'est pas mal. fonctionnalités un peu lourdes pour un langage. Bon, et je terminerai sur ce sujet pour sur Rails 5.0, qui sera la prochaine version. Il n'y aura pas de 4.3 ou quoi que ce soit. D'accord. Et voilà, on ne sait pas grand-chose encore sur 5.0. Moi, je n'ai pas trouvé d'informations. Ouais. On sait juste qu'elle sortira pour l'été prochain, quoi. Alors, ils disent D'accord. printemps-été prochain, donc ça va être Ça va être l'été l'été, prochain. va être en septembre, quoi. Non, ce sera sûrement ouais, pour juin, quoi, je pense, Je 2015. pense que ça fera juin. Et la seule chose qu'on sait, c'est que ce sera pour Ruby 2.2. D'accord. Voilà, qui apportera qui devrait apporter pas mal de perf parce que les symboles seront, je sais pas comment on dit en français, garbage collected. D'accord. Donc, Seront. ah, si, je le connaissais, Garbage Collector, Ouais, il y c'est. a un terme en français, mais je sais plus Le comment on dit. ramasse-miettes. Les ramasse-miettes. Oui, Enfin, je sais pas non, si vive la j'ai exagéré, je France. pense. Je crois que c'est Enfin, ça. voilà. Il me semble que c'est ça. C'est les nouvelles sur Rails de ce mois-ci. Bon, bah, c'est cool, c'est une bonne, c'est des belles choses. On sent que ça avance bien. Eh bien, écoute, je continue et je te propose cette fois-ci de te parler d'un petit projet qui s'appelle OneSen UI et qui est en fait un Ah, framework HTML-JS qui est. Hein? là, on dirait, quand on lit comme ça en français, on dirait on s'ennuie. C'est vrai, t'as raison. Et en fait, qui est un peu, moi pour résumer, j'ai appelé ça le bootstrap pour PhoneGap. Donc l'idée, c'est de bouffiler tout un tas d'éléments HTML5 et tout un framework JavaScript et CSS qui va vous permettre d'avoir accès à tout un tas de composants et de fonctionnalités dédiées au développement d'applications mobiles sous PhoneGap. Ce qui est. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais vas-y, continue. D'accord. Ce qui est du coup important de savoir, c'est que sous PhoneGap, quand on en avait parlé un peu, on avait dit voilà, bon, c'est bien, mais le problème, c'est qu'effectivement, la réalité, c'est que tu fais une application pour chaque plateforme parce que les modèles de rendu sont pas les mêmes et sont pas faciles. Et bien, ce genre de projet-là a pour mission de résoudre ce problème-là, qui va vous permettre de créer des applications hybrides, donc c'est-à-dire un web browser encapsulé dans une application native et donc dedans du HTML5. Pardon, qui va du coup, enfin, c'est l'ambition de ce truc-là. Alors, il nous propose des thèmes, il nous propose tout un tas de composants, tout un tas de gestion de responsive, enfin, de responsive, pardon, des différentes tailles d'écran, évidemment, qui se vantent de que c'est beaucoup plus performant que jQuery Mobile. Bon, honnêtement, là, les deux sont largement suffisants en termes de performance pour pas avoir à trop s'en inquiéter, mais voilà, et donc du coup, c'est fait, c'est conçu pour gérer. Pour passer de la tablette paysage à la tablette verte à la tablette portrait du mobile au à même hein, ils vont même jusqu'à dire qu'ils sont capables de fonctionner sur du desktop ce qui est qu'une évolution de la partie responsive mais du coup moi je trouve ça assez intéressant comme service parce que c'est des choses dont on se plaignait parce que PhoneGap c'était ça sa promesse mais PhoneGap c'était surtout le moteur et c'est vrai que la couche graphique pêchait beaucoup et on sait que les utilisateurs d'applications mobiles sous tablette ou sous téléphone, sous smartphone, sont très exigeants d'un point de vue ergonomique parce que ils l'utilisent beaucoup dans un milieu personnel, etc. Donc c'est très intime comme relation et du coup, alors moi je l'ai pas testé donc j'ai pas de retour à vous faire précisément là-dessus. Sauf que je trouve que la promesse est belle, que c'était un vrai point qui manquait chez PhoneGap, pardon. Donc du coup, à voir si ça remplit effectivement sa mission. Mais à garder sous le radar parce que c'est un vrai problème qu'on a aujourd'hui quand on fait des applications hybrides. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, quand tu vois ça? Ça, en fait, ça a l'air bien, mais effectivement, c'est un gros truc, il faut regarder dans le détail. Je pense qu'il faut regarder un peu. Hein, la promesse est belle, moi c'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que je pense qu'il faut qu'on l'ait tous un petit peu sous le radar. Ceci dit, voilà, ils promettent beaucoup de choses. Et on sait que voilà, quand on promet beaucoup de choses, c'est toujours c'est qu'ils peuvent peut-être le faire. Après, les thèmes, ils sont quand même ultra iPhone-like, quoi. Voilà, je sais pas là si t'es pas sur justement
Si voilà, ils sont quand même très iPhone-like, ouais, c'est clair. Tu vois, t'as le j'avais le Switch là. Ouais, il est là. Le Switch et iPhone, Ouais, ça. c'est clair. Non, mais je suis Ça, d'accord. c'est du iPhone. Ça, c'est du iPhone. Enfin, iOS. Oui, c'est Ça, beaucoup de c'est l'iOS. Là, iOS. c'est de l'iOS, je suis d'accord. Après, Defining Color Scheme. Après, voilà, c'est le thème qui propose un peu, genre, de base. Mais c'est vrai qu'en termes de forme, ça ressemble beaucoup à de l'iPhone-like, je suis d'accord. Mais bon, à la rigueur. Mais Non, c'est vrai que sur ben. plusieurs, sur une plateforme Android, ça fera toujours un peu bizarre de voir débouler une interface iOS. Mais bon, je pense que c'est, il y a aussi, je pense que c'est largement personnalisable et du coup, ça permettra peut-être de, bah, d'avoir ce dont on a besoin, c'est-à-dire une couche graphique qui va s'adapter à toutes les tailles d'écran correctement sans avoir trop à travailler et du coup, encore plus développer la plateforme HTML5 sur les mobiles. Moi, c'est vrai que c'est un truc auquel je. Bah, je crois pas, mais c'est vrai que il y a tellement de compétences et tellement de choses possibles disponibles sur HTML5, c'est quand même frustrant de ne pas pouvoir l'exploiter à fond sur les mobiles et les tablettes qui sont quand même un marché et un écosystème qui est quand même très attrayant pour tout le monde. Donc moi, c'est vrai que je vous en parle beaucoup parce que j'aimerais vraiment que ce soit pas juste une promesse et que ça ait vraiment lieu. Donc voilà. Donc je vous en parle. Si ça vous intéresse, allez checker dans les notes de l'émission le lien qui vous emmènera vers le site de Open de non, attends, de OneSendUI. Et bah, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous aussi vous espérez que le HTML5 puisse couvrir correctement les besoins que nous avons en développant d'applications mobiles. Moi, j'ajouterais deux Yes. choses, c'est que ça a l'air d'être très compatible avec AngularJS. Ça peut être pas mal, ça marche aussi avec jQuery. Yes. Et surtout, là, ce que je vois sur le blog, c'est qu'apparemment, ça a l'air d'être en plein. Enfin, ça a l'air d'être très suivi, question développement. Ouais, parce Ouais. qu'ils ont fait une dernière, ils ont fait une nouvelle release le 21 août. On est le 30, donc c'était quand même il n'y a pas Ouais. longtemps. Donc ça a l'air d'être actif. Je n'ai pas trop regardé, je sais pas trop comment c'est financé ce truc-là, si c'est complètement communautaire ou si c'est un petit peu supporté par une boîte quand même, mais voilà, ça a l'air d'être un projet parce qu'il y en a plein des projets comme ça qui vous disent ouais, mais avec moi, vous inquiétez pas, je supporte toutes les plateformes et tout. Celui-là m'a donné un peu d'espoir en me disant quand même, là, il y a l'air d'avoir vraiment du suivi, ça a l'air d'être actif, ça a l'air d'être prometteur, donc je me suis dit que celui-là valait le coup d'être mis en lumière par rapport aux autres. Si vous en connaissez d'autres qui vous paraissent prometteurs également, n'hésitez pas à nous les faire remonter dans les commentaires du blog. Teddy, je te propose que tu nous parles de console.table dans la dernière Nightly Build de Firefox. Alors là, je peux te dire que tu nous fais rêver. Ouais, j'irai pas jusque là, Vas-y. mais c'est quand même un petit truc sympa pour nous les développeurs. Tout simplement, console.table, ça va être une manière d'afficher, de faire un console.log Ouais. sur une variable qui sera des types, enfin qui peut être présentée sous forme d'un tableau. Donc ça D'accord. peut même être un objet, ça peut être un array, ça peut être n'importe quoi qui peut se représenter sous la forme d'un tableau. Ouais. Et donc, du coup, plutôt que de faire un console.log, on fait un console.table, ça affiche le contenu de la variable sous Dans forme d'un tableau, dans ouais, la d'accord. Donc console. dans la console, on a Ouais. donc vous verrez ceux qui suivent l'émission en vidéo, vous voyez à quoi ça ressemble puisqu'il y a une copie d'écran du rendu Ouais. attendu. Mais effectivement, l'idée c'est vraiment au lieu le console.log, ça balançait bah, plus ou moins un JSON qui était un peu Ouais, interprété avec ouais, des arbres, ça etc. balançait du texte, quoi. Ouais, Exactement. c'était Parce que un là, peu. ça l'affiche sous Là, forme de tableau, c'est beaucoup plus ça l'affiche joliment, sympa. mais c'est dans la console. Hein. C'est pas du tout fait pour autre chose. Hein. Non, mais non, c'est pour ça que ça s'appelle Absolument. console.table. Non, mais voilà, c'est pas fait pour Non, c'est afficher genre des vraiment. tableaux, Non, tu non, vois, c'est ça vraiment pourrait être. juste Ouais. pour nous et développeurs pour quand on fait du debug. Pour Bah afficher voilà. ça plus ou Après, moins. il y a un truc qui est sympa aussi dans la dernière Nightly, c'est qu'il y a les CSS filters qui sont activés. Yeah. Ah, ça c'est cool. C'est bien. Ça c'est clair. Donc ça, on a déjà dû en parler, j'imagine. Il faudra Ouais. aller voir comment on Et s'en tu me sert et à rappelles quoi ça rapidement sert. de quoi ça s'agit? Alors, je suis pas spécialement sûr là pour le coup. C'est pas les filtres, ça doit être les filtres sur les images, non? Ah, voilà. Mais Pour faire des pour filtres moi, j'ai ça en tête. Je à me souviens plus l'Instagram, exactement. etc. Moi, j'ai ça en tête aussi. Ouais, Après, j'en suis pas encore, des on masses n'a pas servis encore encore, je suis pas regardé. trop sûr, Mais mais il du me coup, ils semble que sont ça activés. Ça veut ressemble. dire que du coup, ce sera disponible. Alors, c'est la version 33, hein, je crois, qui est en Nightly en ce moment. Parce que c'est la 31 qui est Aucune en idée. release. Pour moi, c'est la 32 qui est en bêta. Et à mon avis, c'est la Oui, 33 ça qui est en doit être ça. Nightly. Donc En tout voilà. Mais il cas, y a ça pas veut mal dire de que c'est choses. un Hein. peu On se rappelle que dans la 33, c'était aussi l'inspection des événements sur les éléments du DOM tard. dont on a parlé il y a, bah, je crois que c'était la deuxième dernière.
peut-être un peu avant, bon, mais donc on a parlé dans les précédentes émissions. Et effectivement, la 33, il y a pas mal de choses pour les développeurs, ça fait plaisir vivement qu'elle sorte. Voilà, c'est pas sûr que ce soit dans la 33, mais ça devrait parce que ça a l'air de fonctionner. C'est ça. Alors attends, juste pour être sûr, les Juste pour être CSS sûr pour les filters. CSS filters, voilà. Oui, Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est les effets sur les images. Typiquement, Les... c'est pour faire Instagram dans ton navigateur. Dans ton navigateur. Moi, j'étais plus trop sûr de moi. Parce que c'est vrai que C'est tellement de choses qui sont sorties ces derniers clair, temps ça en bouge, hein. CSS, on ne sait pas si c'est déjà possible, etc. Enfin, ça, on a les outils pour. Hein, C'est clair. Si on parle Alors, maintenant. eh bien écoute, moi je vais conclure cette section veille avec une petite nouvelle qui nous vient d'un acteur de l'industrie technologique qui est très ancien, c'est Intel, qui a annoncé la compatibilité en fait en fait ils ont sorti un SDK pour le framework Unity, donc qui est un framework principalement utilisé pour faire de la 3D et des choses autour du jeu surtout. Il faut savoir que voilà, Unity n'était pas optimisé ou extrêmement performant sur les smartphones à processeurs basés sur Intel. Sur les ARM, tout ça, ça marchait bien. Donc smartphones, tablettes, tout ça, ils sont principalement équipés d'ARM. Mais on sait que voilà, Intel travaille beaucoup là-dessus et c'est vrai que... Bah, c'est quand même une infrastructure, je sais pas, mais moi c'est vrai que je me dis, les ARM ont eu leur temps, c'est peut-être que les Intel, en fait, pourquoi c'est pas les Intel? C'est parce qu'ils sont très consommateurs de mémoire, en fait, hein, c'est pour cette raison-là, et du coup l'infrastructure consomme trop de batterie. On sait qu'Intel va réussir à résoudre ce problème-là, et du coup, quand ils auront résolu ça de manière un peu profonde, ils pourront, du coup, je pense, raser le marché, enfin, du coup, mettre de côté les ARM, qui font, du coup, deux infrastructures, deux OS, enfin, ça fait quand même beaucoup de coûts en termes de développement de produits pour ces infrastructures de processeurs. Et donc, du coup, l'annonce d'Intel, c'est justement un SDK pour Unity, pour que les téléphones qui sont sous le processeur Intel puissent exploiter à fond ce framework de développement de jeux vidéo qui est de plus en plus utilisé, hein, faut dire. Donc, il y a une démo qui est disponible. Donc voilà. Donc moi je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que pour moi, les processeurs Intel vont de plus en plus pénétrer. Désolé pour le terme un petit peu faillique. Le marché des smartphones et des tablettes. Donc du coup, c'est bien si nos outils de développement populaires comme le framework Unity sont soutenus par ces constructeurs. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, toi? T'as déjà fait un peu d'Unity? T'as déjà vu ça? Ouais, j'avais testé Ouais, moi. t'as testé un peu. C'est très bien, Michel. Moi, ouais, c'est bien. Non, mais je trouve ça c'est assez puissant. C'est vrai que il y a un bel environnement de développement autour de ça. Et du coup, voilà. Donc, c'est juste pour dire que du coup, là où Unity était un peu faible sur les processeurs Intel, ça n'est plus le cas. Intel a contribué à Unity pour cela. Bah écoute, ça conclura la section veille et je nous propose de passer au dossier de cette émission. Assez rigolé, c'est le dossier. Et donc, dans le dossier de cette émission, je vais vous parler des mots de passe et de leur gestion, notamment en base de données. Alors, là, évidemment, quand on fait une base de données qu'on doit proposer à ses utilisateurs de se connecter, le plus simple, c'est stocker le mot de passe qu'il a utilisé en clair dans la base. Donc, on récupère comme ça, et du coup, quand le mec se connecte, on peut tout de suite contrôler s'il a saisi le bon mot de passe ou pas. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple, hein. Je vois pas pourquoi on se casserait les pieds à faire autrement. C'est quand même ce qu'il y a de plus facile. Évidemment, ça n'a rien d'évident, mais si vous êtes victime d'un piratage parce que vous devenez très populaire, et qu'on vous vole votre base de données, du coup, on va récupérer notamment les informations que l'utilisateur a remplies sur son profil, donc potentiellement son email, mais on va aussi récupérer du coup son mot de passe. C'est-à-dire que le voleur, quand il part avec votre base de données, il récupère tous les mots de passe de vos utilisateurs. Ce qui est quand même contraignant parce que potentiellement ils les ont utilisés sur d'autres plateformes et donc vous rendez de par ce piratage-là d'autres plateformes et vos utilisateurs, comment dire, vous les mettez en faiblesse sur l'utilisation d'autres plateformes. Donc c'est quand même un petit peu contrariant. Et puis surtout, c'est pas du tout une bonne pratique, c'est très faible en termes de niveau de sécurité. Du coup, ce qui est propo ce que une des solutions, le premier niveau de sécurité qu'on peut proposer, c'est de dire, bah très bien, je vais non pas stocker le mot de passe en clair de mon utilisateur, mais
ce qu'on appelle son hash. Alors le hash, en fait, c'est une fonction mathématique. Alors il y en a plusieurs. Il y a la MD5, il y a la SHA-1, SHA. Est-ce que tu en as d'autres en tête? Il y a l'AES, il y a le DES. Bon, il y en a plein. Vous verrez dans PHP, dans Rails, il y en a des tonnes. Je me demande s'il n'y en a pas des dispo en JavaScript. Je ne sais pas si MD5 est dispo. Ça me dit rien, j'ai pas ça en tête. Mais bon, sur tous les frameworks back-office, vous avez tout ce qu'il faut en termes de fonction de hashing. Et en gros, alors hashing c'est en anglais, hein, hachage en français, et le hachage. Non? Oh, j'ai pas cherché ce passage en C'est pas français. hachage, tu penses? Qu'est-ce que ce serait alors? Faut aucune idée. Continue, je vais regarder pour l'instant. Allez, vas-y. Donc, c'est ce qui est intéressant dans la fonction de hachage, c'est ça prend votre mot de passe en clair, vous passez une fonction de. Tu vois, c'est fonction de hachage. Après le ramasse-miettes, le hachage, tout va bien. Bon, bref. Et ça vous sort, en fait, ça vous retourne une chaîne de caractères qui est à partir de laquelle on ne peut pas redeviner le mot de passe initial. Donc, du coup, il y a une destruction d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du hash, donc à partir de cette clé un petit peu générée à partir de votre mot de passe, aucun pirate ne peut deviner le mot de passe d'origine. D'accord? Ça, c'est mathématiquement impossible parce que la fonction de hachage est prévue pour ça. Donc, on vous a dit, il y en a plein. Il y a le MD5 qui est très connu et il y en a le Mais il faut SHA-1. plus utiliser. Et il y en a qui. Alors, voilà, MD5, il ne faut plus l'utiliser puisqu'elle est devenue un peu trop faible en termes de niveau de sécurité. Mais il y en a d'autres qui sont. Je suis sûr que c'est encore ultra utilisé. Moi. Je suis sûr qu'il y en a plein qui s'en servent encore. Bon, peu importe. Mais enfin, peu importe. C'est important. Mais du coup. Non, tu penses pas ça? En fait, tu peux continuer à t'en servir, mais il faut pas qu'il y ait que ça. Alors voilà, faut pas qu'il y ait que ça, et on y vient, je pense, que je vois d'où tu veux en venir. Alors, le problème de ça, c'est qu'on se dit, bah très bien, du coup, si vous êtes encore victime d'un piratage, vraiment, vous allez dire, vous avez pas de bol, hein, parce que bon, et qu'on vous revole votre base de données, bon, bah qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Le gars récupère vos emails, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix, parce que vous en allez en avoir besoin, notamment pour envoyer des emails à cette personne, donc vous pouvez pas les crypter, ceux-là, enfin les hacher, parce que du coup, c'est le terme officiel, parce que vous avez besoin de récupérer sa vraie valeur. Par contre, ce que vous pouvez faire. Par contre, le pirate va pas récupérer les mots de passe. Donc, si le gars a utilisé le même mot de passe sur tous les sites, avis aux utilisateurs qui font ça, c'est une très mauvaise pratique. Utilisez plutôt des applis comme Dashlane ou LastPass qui vont vous aider à générer des mots de passe différents et à s'en souvenir pour vous, afin que vous n'ayez pas trop de problèmes par rapport à ça, afin que vous n'utilisiez pas le même mot de passe sur tous les sites que vous utilisez. Petite parenthèse. Mais du coup, si revenons à notre pirate qui a volé votre base de données, il a d'un côté dans sa base de données, il a une colonne mot de passe dans laquelle il n'y a que des chaînes de caractères strictement inexploitables pour lui, parce que bah, mathématiquement, il sait, déjà il ne sait pas avec quoi ça a été crypté, il ne peut pas savoir si c'est du SHA-1, du MD5, ça ne se devine pas. Mais surtout, même s'il le sait, même s'il connaît la méthode de cryptage et la fonction qui a été utilisée pour hacher ce mot de passe-là, mathématiquement, il ne peut pas faire de calcul pour revenir en arrière. Sauf à faire du brute force. Sauf à faire du brute force. Et pour cela, les Pour qu'on fasse pirates, ça. voilà, pour faire ça, en fait, les pirates utilisent ce qu'ils appellent des rainbow tables. Alors, les rainbow tables, c'est extrêmement simple. Vous allez dire, c'est un peu basique comme utilisation, mais c'est une grosse table, mais genre très grosse, avec des centaines de millions d'entrées dedans, sur lequel il y a à gauche tous les mots de passe en clair possibles. Donc, toutes les combinaisons possibles de mots de passe inventables. Donc voilà, donc ils génèrent comme ça, et à côté, ils calculent le MD5, le SHA-1, enfin voilà, ils font une colonne en face, et ils continuent, et du coup, ils font dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils disent, bah, très bien, si je peux pas deviner le mot de passe à partir du hash, bah, je peux faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que je peux générer tous les mots de passe du monde. Pour ça, les infrastructures de DeepCloud sont hyper utiles, hein, pour avoir beaucoup de puissance de calcul. Pas très cher et à la volée, c'est quand même assez. Enfin, ils peuvent s'en servir. Et du coup, ils font dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils génèrent tous les hashes possibles, de tous les mots de passe possibles. C'est un peu long, mais voilà, c'est une technique qu'ils utilisent et comme ils le stockent, bah, du coup, après, ils n'ont plus qu'à faire une recherche de votre hash dans leur table, leur Rainbow Table, et ils retrouvent du coup le mot de passe que vous avez utilisé. Alors ça, c'est des techniques qui sont réellement utilisées. Alors, je ne sais pas si c'est encore utilisé, parce que je ne suis pas trop au courant des méthodes de piratage, mais je pense que c'est encore des méthodes qu'ils utilisent aujourd'hui. Hein. Oui, Donc, c'est une sorte de dictionnaire. Ah voilà, Une c'est ça. Ils génèrent de tags par dictionnaire. Voilà, au lieu d'utiliser les mots-clés les plus probables, ils ne s'embêtent pas, ils les génèrent tous,
Et comme ça, ils font une recherche dans la colonne du mot de passe haché directement pour retrouver. Alors, petite précision, s'ils retrouvent votre hash dans leur Rainbow Table, ce qui est quand même pas de bol pour vous, il faut savoir qu'en réalité, ils vont trouver plusieurs mots de passe. Parce que le même hash, donc la même valeur de hash, correspond en fait plusieurs mots de passe. Donc il y a plusieurs mots de passe en clair qui vont générer le même hash. Alors il y a un peu de collision, il y a un peu de risque là-dedans, mais bon, les mathématiciens sont débrouillés pour gérer ça. Mais du coup, c'est un risque qu'on prend parce que les mots de passe sont tellement différents, enfin vraiment, c'est un risque qui est acceptable et en tout cas qui est utilisé par l'industrie des développeurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, que du coup, en fait, que du coup, le vilain pirate, au lieu de se retrouver à devoir tester, allez, des millions de mots de passe, eh bien, il va se retrouver à n'avoir à en tester qu'une dizaine dont il est sûr que dans les 10, il y est. Quasiment certain. Donc, pour lui, c'est quand même assez utile et ça lui fait gagner surtout beaucoup de temps et donc ça rend votre mot de passe un petit peu faillible. Donc là, ceux qui sont sur la vidéo, vous allez voir à quoi ressemble le hash. Donc le texte en clair là que Teddy a saisi, c'est password. Et voilà la valeur du hash qui est générée. Il faut savoir qu'à cette valeur de hash là correspond en fait plusieurs textes en clair. Donc là, il y a password, mais il y en a plein d'autres qui existent. C'est la propriété de la fonction. On sait qu'elle se comporte comme ça. Alors, le problème, c'est que du coup, on se dit, bah ouais, bah super, alors si je stocke mon mot de passe dans ma base avec juste un hash, c'est pas suffisant parce que du coup, je me retrouve avec les pirates et leur Rainbow Table, ils vont quand même pouvoir le faire retrouver mon mot de passe. Donc ça m'arrange pas, ça résout pas le problème. C'est pour ça qu'il faut ajouter ce qu'on appelle un petit grain de sel, et j'utilise le terme petit grain de sel, non pas pour faire un jeu de mots, enfin si un petit peu finalement, mais bien pour dire en fait, il faut ce qu'on utilise pour contrer les Rainbow Tables, on va préfixer tous les mots de passe utilisés par nos utilisateurs par une petite chaîne de caractères qu'on appelle le cell, qui va avoir pour rôle de rendre encore plus long notre mot de passe, donc d'imposer à la Rainbow Table d'être encore plus grande, et surtout, pardon, du coup, de rendre encore plus difficile la découverte de votre mot de passe par Rainbow Table. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on a un problème de piratage ou autre chose, on peut tout à fait régénérer l'ensemble des mots de passe en changeant le cell. Hein, c'est pas très compliqué, et du coup, bah, ça remet à zéro toutes les Rainbow Tables qui ont été construites par les pirates, à savoir que voilà, construire des Rainbow Tables sur des mots de passe d'une dizaine de caractères, ça peut prendre des mois entiers de puissance de calcul de serveur. Donc c'est quand même, ça met quand même en difficulté les pirates. Et donc voilà, donc du coup, faut ça. Ça, tout petit, pas de chance. Donc du coup, ce dont je voulais vous parler dans votre méthode de gestion, alors peut-être que vous allez, alors là ça y est, Teddy est carrément en train d'acheter des Rainbow Tables, il n'y a plus aucune limite pardon. Donc voilà, du coup, ça c'est un exemple de Rainbow Table, hein, donc on a le hash, on a le mot de passe en clair qui va avec. Pour ceux qui sont en vidéo, vous voyez à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Donc du coup, voilà, les bonnes pratiques pour stocker un mot de passe en clair, Teddy, tu pourras compléter si tu as des compléments à faire là-dessus, mais c'est de le stocker, de le hacher, d'utiliser des fonctions de hachage qui sont reconnues encore fiables. Donc il faudrait qu'on en donne Le quelques-unes. CHA512, Le quelque chose, CHA, alors voilà, le CHA512, donc SHA512, voire plus, hein, si vous avez des trucs plus gros, n'hésitez pas, hein, vous avez, enfin, y a pas de raison de mais passer. après, tu as des limites légal quand même. Ah, il y a des. Ah, t'as pas le droit d'utiliser plus Ouais, des. tu vois, t'as du. Je sais plus c'est quoi en France, mais c'est genre, t'as pas le droit de faire plus de 128 ou 256 bits, un truc comme ça. Ah, bah après, il y a peut-être des. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi ils filtrent comme ça. C'est Bah, peut-être pour qu'on puisse nous espionner c'est truc tranquillement, sinon c'est militaire. embêté. Je sais pas trop Parce qu'il n'y a que exactement, les mais ouais, militaires qui ont le droit d'avoir de la vraie ouais, sécurité. c'est ça. Nous, les autres, on n'a pas le droit. On a le droit qu'à la sécurité un petit peu facile. Bon. Donc, bon, j'imagine que d'ailleurs, le même genre de règles en Allemagne, enfin, sur d'autres pays, je pense qu'il faut se Ouais, après renseigner du ça a coup. une différence de niveau, mais Voilà, c'est mais sûr, tu mon peux.     ││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 
avis, il va y avoir le même genre de règles. Parce que oui, c'est vrai que du coup, il y a... Donc voilà, donc, nous, ce qu'on vous recommande, c'est le SHA-1, enfin, pas le SHA-1, du coup, le SHA-256, SHA-512. Alors, vous avez SHA-1024, sinon vous avez SHA-128, à voir un peu en fonction des pays pour lesquels vous développez. Mais globalement, voilà, encodez vos hachez vos mots de passe et préfixez-les par du SEL. Alors, le SEL, hein, c'est une chaîne de caractères que vous choisissez aléatoirement et qui, du coup, n'est pas accessible par le développeur s'il vole votre base de données. D'accord? Il a besoin de voler votre code source en plus pour avoir accès au SEL et donc être capable de savoir par quoi le mot de passe est préfixé. Ceci dit, il n'y a rien qui vous interdit de suffixer le mot de passe. Hein. C'est juste une petite modification que vous faites au mot de passe pour qu'il soit pas que pour que le pirate, quand il trouve le hash dans sa Rainbow Table, qu'il n'ait pas accès au mot de passe directement, sur qu'il a un mot de passe avec une chaîne de caractères avant ou une chaîne de caractères après, bah, c'est pas forcément évident pour lui de savoir où commence le sel et où termine le sel et où commence le mot de passe. Bah surtout qu'après, tu peux même imaginer des variantes. Tu peux très bien faire un SHA-1 sur le mot de passe, auquel tu vas concaténer, je sais pas moi, en plein milieu de Un la chaîne SHA-1 du après time, le salt, et puis voilà, après tu refais encore un SHA-1 du tout. exactement. Tu peux, voilà, Là, je après tu pense peux à. créer des choses tu peux être un peu joueur, Ouais. sachant qu'en fait, pour nous en tant que développeurs, ça ne crée aucune difficulté en termes de connexion si on ne connaît pas le mot de passe en base, hein, puisque quand l'utilisateur va saisir son mot de passe, Oui, il faut vous le re. reconvertissez de la même manière que ce que vous l'avez stocké en base et vous comparez les deux résultats. Si c'est les mêmes, c'est le même mot de passe et on connecte l'utilisateur. Seule chose, c'est que effectivement, bah, du coup, ça prend un petit peu de temps que de juste enregistrer directement la chaîne Alors, de caractères du mot de passe. ouais, c'est pas des fonctions qui sont très gourmandes parce qu'elles sont conçues pour ça, donc elles peuvent être. Si, elles sont. T'en as qui sont gourmandes? Ouais. Ouais. Bah, en fait, ce qui fait que ça se passe plutôt bien quand même au final, c'est que les processeurs ont intégré directement des. Voilà, ils sont Alors, dans après, je sais plus, pour coup, je suis pas du tout compétent pour savoir comment ça s'appelle, etc. Mais je sais que dans le processeur Ah oui, directement, t'as directement ils ont ces rendu des fonctions. instructions, c'est un peu comme SS. Non, SS. Il y avait des instructions qui Oui, s'appelaient les pas ça, genre SSL, MPEG ou MMX à l'époque. oui, tout à Les fait. premières, c'était MMX, il me semble. Oui, donc des Voilà, ce instructions genre un peu de de fonctions qui vont déviation. permettre de effectivement faire tout ce qui est hashing, tout ce qui est Cryptographie, encryption, etc. etc., qui vont Ouais. être avec des instructions directement dédiées dans le processeur, qui du coup Ouais. va les traiter beaucoup plus vite que si c'était Que s'il devait vraiment juste faire des les instructions calculs unitaires. pas spécialisées. Et on a la même chose pour décrypter les vidéos, Absolument. etc. Ouais, donc, du coup, c'est pour ça que c'est pas un vrai souci, parce que la plupart Oui, des voilà. serveurs qu'on a ont ces instructions en native et du coup vont assez vite. De toute Mais façon, c'est c'est même pas vrai. un sujet, parce que t'as pas le choix, t'es obligé Bah de les non, t'es. encrypter. Donc même si Alors, ça prenait un quart d'heure, hein, c'est. C'est faut arriver. clair, on ferait autrement, mais en tout cas, voilà. Donc, hachez vos mots de passe, mettez-leur du sel Voilà. dessus. Pardon pour. Bon, c'est un peu rigolo, c'est le vocabulaire, hein. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Hein. Donc, évidemment, c'est tout en anglais, donc c'est du hashing, donc, et c'est le sel, c'est du salt. Donc, si vous cherchez un peu de documentation autour de ça, voilà les mots-clés qu'il faut taper pour retrouver les choses. Évidemment, la Debug Room ne vous laisse pas seul face à Google, mais je vous propose du coup deux petites ressources intéressantes qui vous proposent d'aller un tout petit peu plus loin que ce que je vous ai raconté là. Si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur le hashing et le salting, donc les deux notions dont je vous ai parlé, bah, réécoutez tranquillement l'émission parce que le dossier. Parce que vraiment, voilà, les concepts ont été expliqués. Ceci dit, il y a quand même pas mal d'articles, hein, Ouais, qui ou même l'expliquent. simplement on ouvre WordPress dans le fichier wp-config, il va y avoir Absolument. un endroit où il y a le salt. Absolument, Après, il suffit de rechercher dans l'ensemble du code d'un WordPress où de il le base où il réutilise, le réutilise, et comme et ça on de voit tout de suite comprendre un comment petit peu ça. comment ça marche. Absolument. En termes d'écriture de syntaxe, c'est vraiment pas compliqué. Ouais. Ça se fait très bien. C'est vraiment généralement le salt, ça te prend une ligne et tu fais suivant comment tu concatènes et qu'est-ce que tu Oui, non, fixes, c'est pas. etc. C'est C'est ça qui pas est intéressant, compliqué, c'est voilà, que mais il faut le ça faire. crée vraiment des difficultés aux pirates, ça rend vraiment votre base de données, ça C'est rend plus bien, vraiment voilà, sécurisé. vos mots de passe stockés dans un coffre-fort qui est bien plus sécur que si vous les aviez stockés sans faire tous ces efforts-là. Et en réalité, en fait, ces efforts-là sont assez faibles, hein. Enfin, c'est pas très gros à implémenter pour nous, en fait, c'est pas très compliqué. Vous modifiez juste un tout petit peu votre fonction de login. Là où vous allez un peu plus vous casser les pieds, c'est si vous changez en cours de route de méthode d'encryptage. Parce que du coup, il faut stocker l'ancien, le nouveau. Enfin, il y a une petite gymnastique à faire pour passer de l'ancienne méthode à la nouvelle pour bien reconnecter les deux.
Bon, c'est pas grand-chose, hein. On parle de, enfin, voilà, on parle d'une petite journée de taf, c'est pas le bout du monde. Mais ceci dit, en termes de, si vous développez des produits ou même des sites hein, qui proposent des connexions aux utilisateurs, et Dieu sait s'il y en a, vraiment mettez en place ces dispositifs. Ceci dit, la plupart des frameworks qu'on utilise, je pense à Symfony 2, je pense à Zen, je pense au CMS et autres, le mettent déjà en place pour vous, hein. Enfin, WordPress, comme tu l'as illustré, le fait déjà. J'imagine que si tu pars Enfin, sur j'ai dit Drupal. WordPress, je suis même pas sûr qu'ils le fassent, mais Si, si, j'imagine que oui. si, ils le font. Ils le J'ai dit font. WordPress, ouais, j'en étais pas sûr. Non, non, si, si, ça je peux te le confirmer. Ouais. Après, tu vois, par exemple, j'imagine qu'en Rails, tu dois avoir aussi des trucs qui doivent se faire un peu automatiquement. Donc, c'est ça se trouve des choses que vous faites déjà sans vous en rendre compte. Enfin, typiquement, si vous faites du Symfony 2, vous le faites déjà sans trop y faire attention. Je ne sais pas si le sel est mis automatiquement. J'imagine que oui, mais il faudrait le vérifier. Mais en tout cas, voilà. Donc il y a plein de choses que vous faites déjà. C'était pour ça que je voulais en parler, parce qu'il y a de bonnes chances que vous le fassiez déjà sans vraiment vous en rendre compte. Et du coup, bah, c'était intéressant bah, d'en Moi, parler. j'ai quand même repris des projets où effectivement les mots de passe ils étaient en clair dans la base, quand même. Oui, c'est toujours des choses qui arrivent. Bah, souvent sur les reprises de vieux projets, c'est des pratiques qu'on Ouais, mettait pas ils forcément en place. peuvent pas Ou même il y a des forcément gens qui font pas l'effort, hein, enfin je veux dire. forcément vieux, effectivement. Bon après, voilà, tout le monde ne fait pas l'effort, mais voilà, si vous écoutez la Debug Room, vous êtes donc des développeurs de qualité, vous ferez donc l'effort parce que vous le devez à vos utilisateurs. Je voulais donc vous parler de deux petites ressources dont je voulais vous donc pour aller un tout petit peu plus loin. La première, elle s'appelle Passwordless. C'est un middleware d'authentification bah, pour Node.js qui vous propose un truc assez rigolo, c'est de dire les mots de passe. C'est toujours un problème, c'est toujours. Voilà, les utilisateurs ne s'en souviennent pas, ils mettent des mots de passe débiles, genre 1, 2, 3, 4, ou leur date d'anniversaire, du coup c'est facilement retrouvable par les Rainbow Table, moyennant, modulant les méthodes de sécurité que vous avez appliquées à votre base. Du coup, ce petit script Node.js propose tout simplement de dire, bah écoutez, c'est très simple, mes utilisateurs, ils ne saisissent pas de mot de passe pour créer un compte, et à chaque fois qu'ils veulent se connecter à mon application, ils mettent leur email, ça de toute façon c'est l'identifiant universel, ils font OK, je leur envoie un mail avec un token qui est du coup unique, avec lequel ils cliquent, et quand ils ont cliqué sur ce lien, bah pouf, ils sont connectés. Donc c'est une autre méthode d'authentification, donc ça dit voilà, plus de mot de passe, plus de problématiques de sécurité puisque les tokens sont régénérés à la volée, donc on peut changer autant de fois qu'on veut de complexité d'utilisation et on peut les délivrer aussi bien sur des emails, mais on peut les envoyer par SMS, on pourrait les envoyer par Skype, on pourrait imaginer tout un tas de modules pour se connecter, pour utiliser voilà, cette méthode de connexion. Moi je l'ai trouvé assez intéressant parce que je me dis, bah ouais, voilà. Les mots de passe, c'est un problème, on ne sait pas trop comment s'en servir. Enfin, c'est toujours une vraie difficulté de les sécuriser correctement. Et bah écoutez, on les vire, on utilise des tokens que le développeur génère à la volée. Et du coup, bah, on est un peu plus sécurisé. Donc voilà, donc ça créera des formulaires de connexion comme celui-là. Alors du coup, voilà, Teddy est en train de faire le test. Mais voilà, moi je trouvais ça intéressant, c'est une nouvelle approche. Évidemment, vous vendrez jamais ça à vos clients, mais enfin, ça va sembler. Bonjour, il n'y a pas de mot de passe sur mon appli. Quoi? Bref, donc du coup, voilà, moi je la trouve intéressante comme approche, parce qu'effectivement, ça donne un niveau de sécurité supérieur, tout en continuant. Alors, si tu mets ça en place, il ne faut surtout pas que ça arrive dans tes spams, Alors dans voilà. les mails qu'ils t'envoient, parce que sinon les gens ils vont rien comprendre. C'est clair. Bon. Non, j'aime bien l'idée, mais non, ça pourrait être pas mal pour vraiment des applications qui vont être pro, qui vont pas sortir de l'entreprise, où faut vraiment que ce soit sécurisé, et où les gens ont leur iPhone avec eux pour. Non, je sais pas. Ouais, juste un mail. Non, parce que ça s'envoie par mail, hein, aussi. Ouais. Donc, après, voilà, hein, si votre boîte mail se fait attraper, bah, vous êtes en difficulté par rapport à cette méthode d'authentification. Mais bon, je trouvais ça intéressant. Voilà, c'est une nouvelle approche de gestion d'authentification en dégageant les mots de passe. C'est innovant. On se devait de vous en parler. Non, ça peut être bien pour les applications qui vont pas te qui vont te oui, t'as un bookfix qui va te donner accès pendant un mois, un truc dans le genre, je dis Ouais, tout pas. à fait. Ouais. Si c'est un ordinateur qui bouge pas d'une entreprise, un truc comme ça, ou que après l'application elle est accessible qu'à partir d'une certaine adresse IP, ça peut être pas mal pour ça.
Carrément. Non, mais enfin, toi, je pense que ça, c'est plus des démos techniques, tu vois. En mode, Ouais. voilà, c'est possible, on peut connecter des gens sans utiliser des mots de passe. Ouais, finalement, ça ressemble un peu aussi à ce qui est fait quand tu te connectes via Facebook Connect et tout ça. Finalement, Carrément. c'est la même chose, C'est sauf le que tu même. passes pas par le mail, Voilà, tu tu passes passes par par un Facebook, serveur qui mais. te renvoie automatiquement le truc. Ça marche. En fait, ça marche de la même façon, sauf que C'est au lieu un nœud au lieu sans de avoir parler à besoin d'une Facebook, plateforme tierce, en fait. tu parles à Gmail, quoi. Exactement. Bah, Gmail, ouais, tous les Oui, services de enfin, mail, oui. autres. Enfin, Bah voilà. ouais, Bon, je pourquoi voulais pas? vous en parler parce que je trouvais ça un peu innovant, intéressant de Ouais. savoir que ça existe parce que peut-être qu'on viendra à des choses comme ça. Et le deuxième article que je voulais vous présenter, c'est un article rédigé par Slate qui dit, et le titre m'a paru très intéressant, et qui du coup est un peu plus philosophique, qui dit le mot de passe est un mauvais système de sécurité, mais il n'y en a pas de meilleur. Bon, évidemment, l'article est tout petit poil plus profond que ça, mais globalement, voilà, ça vous permet de. Il passe un petit peu en revue, pas l'ensemble le fait que voilà, les mots de passe sont dépendants de la qualité de l'utilisateur, donc un peu faible, intrinsèquement faible. Mais malheureusement, voilà, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de système compatible avec nos utilisateurs pour utiliser autre chose comme moyen de connexion que les mots de passe. Donc voilà, je vous laisserai lire cet article qui est pas profondément technique, qui est plutôt un peu Ouais, philosophique sur presque. OK, hein, Ouais. sur OK, comment on fait pour connecter les gens, pour donner plus de sécurité sans perturber leurs habitudes. Lisez-le, c'est tout, c'est très intéressant, malgré le fait qu'il ne soit pas trop technique. Après, c'est pour ceux qui voudraient aller voir plus loin encore au niveau de la sécurisation d'un accès. Bon, j'ai plus le nom en tête de comment ça s'appelle, mais moi je l'ai par exemple pour ceux qui jouent à Diablo 3 ou à Ah, tu World of parles de Warcraft. l'authentification à double facteur? Oui, voilà, ça c'est double D'accord. facteur. J'étais en train de chercher la triple C'est ça. tier, moi, Voilà. Et presque. Double en fait, facteur, c'est. c'est encore un niveau dessus, en fait, que le mot de Ouais. passe. Mais en fait, c'est le double, en fait. Ça combine les deux. C'est-à-dire que ça dit, connecte-toi, ton mot de passe est bon, très bien. Je t'envoie un. Alors, le double facteur, ça marche comme ça, tu me dis si je me Ouais, c'est trompe. ça. C'est. Et quand tu t'es connecté, quand tu as fait login mot de passe valide, il te dit très bien, quel est le token valide en cours? Et là, tu lances une petite appli sur ton téléphone. Par exemple, ouais. Qui génère toutes les minutes un token différent. Et donc tu regardes le token qui est en cours, qui t'affiche sur l'appli, tu le saisis Sans message et chez Battle.net, en fait, chez voilà. Blizzard. Donc voilà, donc on saisit ce token-là juste après s'être connecté, et du coup, ça nous valide. L'idée derrière ça, et ça conclura, je pense, le dossier sur les Ouais. mots de passe, c'est de dire, pour augmenter la sécurité, il faut demander. Pour s'assurer que l'utilisateur est bien celui qu'il prétend être, c'est demander un élément que l'utilisateur connaît Le et mot de passe. utiliser le mot de passe et un élément que l'utilisateur possède, typiquement son téléphone. Donc lui dire voilà, si tu as le mot de passe et un élément que l'utilisateur possède physiquement, et bah, on a augmenté le niveau de sécurité. C'est Et ça. c'est ce qu'on appelle l'authentification double facteur. Alors. Un petit message quand même, si vous proposez ça à vos clients, prévoyez un peu de temps de dev, ça prend un peu de temps quand même. Ouais, bah après, il y a Il y a pas mal de Google services. Ouais. qui le permet assez facilement. Ouais, c'est vrai. Mais il faudrait voir dans les détails, je sais pas si c'est seulement lié à leur service, mais je sais qu'ils avaient permis de l'utiliser, qu'ils avaient permis à tous les développeurs d'utiliser par des API, etc. Après, Ouais, du coup, bah. j'imagine que ça Enfin, veut si dire tu qu'il veux faut que tu rester utilises complètement marque free. blanche. Parce que Voilà. du coup, tu es obligé d'utiliser l'application Google Authenticator, qui est Ouais, l'application d'authentification double facteur de Google. et surtout, je pense que tu es obligé d'utiliser Un compte le Google? Google Connect. Ouais, c'est possible. Enfin. Ouais, donc du coup, si on veut rester en marque blanche, il y a peut-être un peu de travail à. Mais certainement qu'il y a des services hein, qui proposent ça en marque blanche où j'ai pas regardé, parce que je n'ai jamais eu vraiment le besoin. Mais voilà, déjà, si vous mettez du sel dans vos mots de passe et que vous les hachez correctement, Déjà pas faites de la mal. cuisine avec vos mots de passe, ça se passera bien. Bon, voilà, c'est sur cette blague un petit peu vaseuse que nous concluons le dossier de cette émission. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Et dans la toolbox, je vous propose de vous parler d'un plugin jQuery qui s'appelle PutGrid et qui nous promet la chose suivante, de nous offrir toutes les fonctionnalités de jQuery dédiées au développement sous Bootstrap, qui est un framework CSS, lui.
un peu de JavaScript dedans, il me semble, mais qui est principalement un framework CSS. Et bon, la promesse est assez simple, hein, voilà, on va aller voir quelques exemples. C'est de, en quelques lignes de code, voilà, si par exemple vous avez fait un tableau en Bootstrap, de rajouter bah, typiquement une pagination, un module de recherche, d'afficher ou de cacher des colonnes, des choses comme ça. Juste, alors, si on regarde le code, hein, voilà, donc ça c'est le code HTML de Bootstrap, et en JavaScript, voilà, il y a une petite ligne de code à rajouter, et tac, ça va rajouter des fonctionnalités. Évidemment, il ne s'agit pas de pagination server-side, hein, c'est bien de la pagination. C'est quoi l'autre? Client-side, merci Teddy. bref, du coup, voilà, ça vous permet ces choses-là. Moi, je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, c'est le genre de choses sur lesquelles on pourrait enfin, qu'on peut avoir besoin. Et du coup, voilà, ça réexploite vraiment la pagination Bootstrap, etc. Alors là, c'est sur le thème basique, mais j'imagine que si vous le skinnez, ça prendra les choses en compte, voilà. Donc voilà, donc il y a plein de petits exemples qui sont proposés, et du coup, donc il y a des exemples, la documentation est assez précise. Voilà, l'exemple le plus flagrant pour moi c'était ça, mais il y avait derrière aussi le côté les fonctionnalités Ajax pour rajouter, pour appender ou prépender des éléments dans un tableau qui serait déjà bootgridé, désolé pour le néologisme. Donc voilà, donc il y a plein de choses un peu faciles dédiées au développement sous Bootstrap. Donc voilà, donc moi je trouve ça intéressant, parce qu'effectivement, ça peut être des fonctionnalités auxquelles qu'on peut avoir besoin quand on développe des sites sous Bootstrap. Voilà, il n'y a rien de magique, ça t'inspire quelque chose, t'as dit. Pas grand-chose. Non, je ne connaissais pas du tout. Moi, je connaissais DataTable, Ouais. qui, Qui est un plugin jQuery qui propose de ouais. faire des choses, tout à fait. Mais qui, apparemment, je pense, est beaucoup plus évolué. Ouais, c'est possible. Mais je sais pas, faudrait regarder. Ok. Donc voilà, En donc. fait, je vois pas en quoi c'est fait spécifiquement pour Bootstrap, quoi. Bah, c'est que ça reprend, c'est que ça s'appuie sur le markup de Bootstrap, en fait, sur le markup HTML. Hein. C'est pour ça que ça permet d'identifier tes colonnes tout de suite, ça permet d'identifier un petit peu tes IDs. Bon, Ouais, peut-être que du coup ça marche tout seul parce que tu as utilisé Ah oui, les c'est markups le de. ah oui, carrément, c'est pour ça, hein, c'est comme ça t'impose un formatage en termes de markup, du coup ça peut fonctionner tout seul, c'est pour ça que ça fonctionne. Donc bon, il n'y a rien de magique là-dedans, hein, mais voilà, il propose Non, en tout cas, des ça peut être formateurs, des un. comparteurs. Bon. Voilà, bon, Ouais. c'est pas, je suis d'accord avec vous, moi j'ai pas été ultra excité par ça, mais dans la mesure où on n'avait pas encore, comme il y a des plugins jQuery pour tout, et ben voilà, il y a aussi un plugin jQuery pour Bootstrap, il s'appelle Bootgrid et il permet de faire un certain nombre de choses qui sont malgré tout intéressantes. Je te propose qu'on passe tout de suite aux expressions régulières et d'un petit site qui va te permettre de les débugger facilement. Parle-nous de ça donc. Alors, petit, pas tellement. Ah, c'est un gros site. Non, enfin, c'est entre les deux, on va dire. Disons que j'en ai déjà cité plusieurs, il me semble, des sites Oui, dans le même genre ou absolument. qui servent simplement à tester ces expressions régulières. Mmh. Mais habituellement, c'est assez basique. C'est on a un champ où on met ses données qu'on veut matcher, puis un autre où on met son expression régulière. Yes. Et c'est tout. Là, le principe de DebugX, c'est que ça va fonctionner de la même façon. Mais ça va afficher le résultat de façon beaucoup plus graphique et surtout didactique. Parce que du coup, on va voir exactement en temps réel, hein, au fur et à mesure qu'on tape, Ouais. on va voir ce que ça Ah, donne au je viens de niveau de taper ici. la. Oui, Je voilà, comprenais c'est. pas comment ça fonctionne. Et on va voir tout de suite, au fur et à mesure, les résultats que ça donne. Ah, d'accord. Et Et de ça crée manière aussi un ultra graphe graphique, en de pour fait. montrer un petit peu ce que ça prend. Ouais. Enfin, non, c'est C'est top ça. super bien pour les développeurs confirmés qui, de temps en temps, on a une regex un peu compliquée à écrire et du coup, c'est plus simple d'utiliser ça. Mais aussi pour les débutants, si on voit vraiment comment fonctionne une expression régulière. Ouais, comment elle est conçue? Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pour le coup, désolé pour ceux qui sont en audio, allez regarder malgré tout la vidéo sur YouTube. Ah bah oui, tu vois, tu as mis des Thèse, parenthèses. et Et du coup, il te change. graphiquement, on voit qu'est-ce que la première parenthèse prend en compte, qu'est-ce que la deuxième prend en compte, alors qu'elle a imbriqué à l'intérieur. Ouais, non, c'est vachement C'est intéressant de super voir un bien, moi, petit je peu trouve. comment ça fonctionne. On teste un petit peu. Là, typiquement, ça va pas le faire, mais si je mets DE, tac, ça va matcher tout et ça te donne les éléments et ça te. Ah, attends.
Et t'as tout un. Ah, c'est rigolo parce qu'en fait, Oui, tu il te te proposes propose du coup une. plein Ouais. d'expressions régulières pour matcher, alors Des pour matcher quoi. RSVP, des ISBN, des numéros de carte de crédit, des times. Bon, à chaque fois, c'est en anglais, hein, mais. Des Les SP, des années, dates, des années. des mois de l'année, des. Ouais. Un truc qui s'appelle Fail on Everything. Non, en fait, il faut être. Ah, login, il Ouais. faut se connecter pour pouvoir Oui, le il faut se voir. connecter. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu pourras aller voir là-dedans. C'est un service qui. Enfin, c'est un bêta, il vient tout juste de sortir. Mais il y a un niveau gratuit quand on est connecté. Et en fait, qu'est-ce que ça apporte? C'est qu'on va pouvoir déjà accéder aux librairies de tests, enfin d'expressions régulières déjà existantes. Et on va pouvoir sauvegarder ses propres. Des expressions régulières, Expression d'accord. régulière, donc ça, encore une fois, ça va être super important, utile, je veux dire, pour les développeurs qui travaillent sur des projets où il y a vraiment énormément de grosses regex À à gérer pour coder les un peu dans garder, tous les sens. ouais, pour se Et réutiliser les trucs. voilà, et donc on va avoir accès à. On va pouvoir sauvegarder autant d'expressions régulières qu'on veut, de façon publique ou privée. Ouais, on peut On va avoir utiliser accès à aussi, d'autres outils carrément. pour, pour améliorer sa regex, pour améliorer même les performances de la regex, etc. Carrément. Sachant que on sait que suivant le langage qu'on utilise, on n'a pas forcément exactement les mêmes fonctionnements. Et là, pour l'instant, on peut tester, il me semble que c'est en JavaScript, en Python, je Attends, sais plus quel on autre. va aller vérifier. Effectivement, là, on faisait les démos sur JavaScript. Enfin, voilà. En Allez. tout cas, par rapport à ceux que j'ai cités avant, moi, c'est mon nouveau sujet, je l'ai mis en favori, j'utiliserai tout le temps maintenant. Python et PCRE qui est une librairie en fait qui est commune à plein de langages, il me semble. Aucune idée, là, pour le coup. Voilà, on peut aussi gérer des tests unitaires là-dessus. On a un quick référence guide pour chacun des langages qu'on aura choisi. Ouais. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté visuel Ça, hein, du ouais. test, ouais, et le fait que ce soit mis à jour en temps réel à chaque fois qu'on tape Carrément. le moindre caractère. Non, c'est Vraiment, clair. vraiment super bien fait. C'est un très très beau Et ça me boulot. fait penser un peu, pour ceux qui ont testé les cours qu'il y a sur Code School, Ouais. c'est un peu dans le même genre, c'est-à-dire que Code School, c'est pas un cours où on dit, tiens, écris ça, tu recopies du texte bêtement. Non, là, on teste vraiment dans le navigateur en voyant tout de suite le résultat en temps réel et on dit tout de suite si c'est bon ou pas. C'est un peu dans le même genre, mais Ouais. pour les expressions régulières. Là, Absolument. c'est pas un cours, mais on peut s'en servir pour apprendre et surtout, on peut s'en servir pour faire les requêtes, enfin, les expressions Ouais, pour régulières mettre complexes. les données qu'on veut matcher Ouais. et tester ça. Et puis surtout, ouais, le fait de la voir La en graphique représentation comme ça, graphique est ça vraiment aide super vraiment à bonne. comprendre comment Ouais. elle se comporte et du coup, mieux diagnostiquer les erreurs ou les mauvaises syntaxes qu'on aurait pu avoir. Et Dieu sait que c'est quand même facile d'en faire en expression régulière. Oui, C'est quand même un ça langage qui est peut très être. compact hein, Oui, puis ça peut très comme vite être langage. assez complexe. Carrément. Et surtout quand on va capturer des groupes de caractères et tout, ça peut vite être assez le bordel, hein, Disons-le comme on disons-le le pense. clairement. Et voilà, donc c'est vraiment pas mal, avec en plus les librairies qui existent déjà et les tests unitaires qu'on peut faire Carrément. quand on est inscrit. Donc c'est debugx, .com. voilà, ça, Mais avec vous avez tout 2G, ça dans les notes de EX, l'émission, bien évidemment. bien sûr. Et tu continues en nous parlant d'une tour de contrôle qui passe en version 2, c'est ça? Ouais, c'est Tower qui est un client Git, un Yes. client graphique, c'est comme ça qu'on dit, il me semble. Oui, un client graphique. Je pense que j'en avais déjà parlé, j'avais dit que c'était super bien, que Oui. c'est payant, bien sûr. Ben, tout simplement, ils ont fait une version 2 qui est encore 10 fois meilleure. Ils ont beaucoup repensé l'interface du client, et c'est quand même beaucoup plus clair, notamment quand tu dois gérer des conflits, quand tu dois Allez, gérer des projets où c'est tu as 59 dollars. plusieurs. Ouais. Oui, mais Ce pour. je pense que ça vaut le coup. De toute façon, il y a une période d'essai de 30 jours qui Ouais, permet tout à de fait. s'en rendre compte. Et voilà, ce qu'ils ont vraiment amélioré, c'est la gestion des conflits et la visualisation des branches, des versions, etc. C'est beaucoup plus graphique. Des Et je trucs. trouve que c'est vraiment pas mal. Ceux qui l'ont, je vous invite à faire la mise à jour qui vaut le coup. Je crois que la mise à jour, elle coûte 30 dollars. Il me semble que j'ai payé Oui, 30 c'est dollars. 29 dollars, effectivement. 29 dollars. Ouais, du coup, effectivement, c'est un peu. Alors, moi, j'utilise un client qui propose aussi tout ça, et qui s'appelle SourceTree, qui est un truc d'AtlasCenter, qui pour le coup est gratuit, mais dont l'interface graphique est un poil moins séduisante, il faut être honnête. Elle est un peu plus Oui, torue.
Ouais, effectivement, moi je me rappelle que j'avais essayé, c'était un peu. Je croyais que c'était un peu le foutoir en Ouais, fait. c'est un peu compliqué, hein, faut Là, être. ce qui est bien dans Tower, c'est que les actions qu'on fait le plus souvent, hein, tout simplement, c'est du push, du pull. C'est accessible très vite quand on a juste. On fait deux, on fait trois clics et puis c'est bon. C'est clair. Et voilà. Là, ce qu'ils ont pas mal amélioré aussi, c'est la gestion des différents repositories qu'on doit gérer dans son application. Ouais, d'accord. Il y Ah a oui, donc. vraiment énormément de choses qui ont changé un peu partout Ouais, et effectivement, là, il fait la gestion. qui. Là, il nous parle, il nous présente la gestion des conflits et pas Ouais. mal. C'est Non, un. elle est vraiment très bien celle-là. Ergonomiquement, c'est séduisant. À tester pour ceux qui l'ont pas encore et ceux qui ont la version 1. Passer à la version 2, c'est 30 dollars bien investis. Ah, clairement. C'est un crédit cœur, ça. Ouais. Bon, écoute, je te propose du coup que tu continues en nous parlant de Feature Focus de Code School. Alors là, moi, je Ouais. sais pas ce que c'est, Alors, raconte-moi. Code School, j'en parle assez Mais t'en parles régulièrement. tout le temps, il y en a marre de Code Bah ouais. School. Et là aussi, c'est 30 dollars bien investis. Enfin, là, c'est 30 dollars par mois, mais vraiment, c'est super bien. Et là, ils sortent une nouvelle série de. Ouais, c'est pas là, c'est pas des cours, on va dire, c'est plutôt des screencasts, on va dire, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle les Feature Focus. Le principe, c'est quoi? C'est que ils sont deux, il y a Greg Polak et. Le deuxième, je sais Il est plus où comment le il s'appelle. deuxième? Il est Carlos Carlos Souza. Souza, voilà, c'est ça. Qui disent, bah, tiens, il y a telle application, enfin, il y a telle feature, telle fonctionnalité sur tel site qu'on aime bien et qui est intéressante à mettre en place techniquement. Et donc, nous, on va la refaire. On va faire comme on l'aurait fait nous, c'est-à-dire, typiquement, bah, l'épisode que j'avais vu, c'était sur Basecamp, c'était la recherche. Donc, sur Ouais. Basecamp, la recherche, c'est soit la recherche qu'on a tapée, c'est directement le nom d'un projet ou le nom de l'utilisateur, du coup, on arrive directement sur sa page, soit on arrive Une page de sur une recherche. page de résultats. Donc, ça, c'est intéressant à faire. Donc, ils la développent, ils la mettent en place sur un tout petit projet qu'ils ont fait juste pour l'occasion. Ils mettent en place leur solution technique. Et après, une fois qu'ils ont reproduit la fonctionnalité, ils vont dans le bureau du mec qui a développé la fonctionnalité à la base. Chez Basecamp, par Donc, chez exemple. Basecamp, à Chicago, ils vont voir David Edmire-Hanson, qui est entre autres le créateur de Ruby on Rails. Et Ils là, disaient du coup, alors. il y a DHH, c'est son nom sur le net, qui regarde l'application, enfin la fonctionnalité telle qu'elle a été développée, qui dit, ah ben moi j'aurais plutôt fait comme ça, clac, clac, il modifie tout. Et du coup, on voit, donc c'est très didactique, hein, c'est au début, ils implémentent la fonctionnalité, Comme ils l'auraient fait eux, quoi. Voilà, ce sont des même développeurs pas bêtement, on va dire, bêtement, ouais, voilà. c'est-à-dire potentiellement en se répétant, etc. Après, ils l'améliorent eux comme ils peuvent, et sachant qu'ils sont déjà bons. Hein. Et après, ils vont voir le mec qui a développé la fonctionnalité, et ils disent, ah non, tu vois, j'aurais fait comme ça, etc. Et à chaque fois, on voit les différentes étapes dans le processus. Et on voit à la fin effectivement le résultat final. Et je trouvais que c'était ultra intéressant parce que déjà c'est des fonctionnalités que souvent on reprend nous-mêmes, donc on voit des très bonnes façons de le faire. Et on voit même pour les On voit, débutants, et on c'est voit l'état de assez l'art simple. après fait par le Voilà, c'est ça. maître. Non mais c'est Sachant cool, hein, qu'à ça chaque aurait fois, bien c'est vraiment hein. juste la fonctionnalité en question qu'ils ont développée, donc c'est pas au milieu de tout un autre bazar de code qu'on sait Claire. pas, qui n'ont aucun intérêt dans ce Absolument. cadre-là. Non mais c'est Donc, vachement bien. pour ceux qui ne sont pas Abonné. inscrits à Code School, abonnés à Code School, il y a quelques épisodes qui sont gratuits, il me semble qu'il y a les deux premiers, et là, ils en ont sorti un nouveau sur la géolocalisation de Groupon. Ah, c'est des vidéos qui repassent pas longtemps, c'est 15 minutes, 20 minutes. Là, il avait l'air de dire. Non, ils disent pas. On peut télécharger les vidéos, bah, si tu la lances, il va te le dire, je pense. Ouais, 16 minutes. Elle dure 16 minutes et voilà, on peut vraiment. C'est comme quand on dit souvent aux développeurs débutants quelle est la meilleure façon d'apprendre? Bah, c'est de lire le code des autres C'est vrai. sur GitHub et de faire soi-même. Et ben là, en fait, Ça c'est permet de entre faire les les deux, deux, en ouais, c'est fait. ça. Ça permet Ça permet de de voir lire. quelqu'un faire comme Voilà. il l'aurait fait sans vraiment trop se poser de questions Ouais, c'est ça. de manière un peu Et surtout de naïve. voir les étapes pour le refactoring, pour enfin voilà, oui, c'est le Ouais, c'est refactoring clair. principalement. On voit Oui, vraiment c'est. le cheminement. Je trouvais ça ultra intéressant. Absolument. Eh ben écoute, ouais, vachement intéressant. Moi, ça me plaît beaucoup. Je pense que je vais la regarder. Oui, ça vaut vraiment le coup. Parce... Il y en a deux ou trois. Hein, donc, Ouais, bah, et je tu peux vais les télécharger, les mettre sur ton portable et les regarder la regarder tranquillement dans le dans le train, métro. par exemple, ou Ouais. des choses comme ça. Non, c'est clair, c'est cool. Bah écoute, merci Teddy. Ça conclura la toolbox et je te propose qu'on passe à la zone 404. En avant dans la zone 404.
Et dans la zone 404, on vous avait promis que vous feriez un peu d'exercice. Et ce qu'on vous proposait de faire, attention, l'ambition est grande, c'est de marcher en travaillant. Alors pour cela, il y a un site qui parle beaucoup de ça, et notamment qui parle de développeurs qui travaillent en marchant. Alors soit dans la nature, ou soit plus simplement sur un tapis roulant. Le premier site qu'on vous invite à voir, c'est walkingworking.com, qui est un blog dédié à ça. Et qui est un projet. Ce blog est saisi par Benoît Pereira da Silva, dont on parlera juste après, plus en détail, qui a un projet un petit peu rigolo, qui a l'ambition de, pendant alors, du 18 au 25 août, du coup c'est fini. Du coup, il faudra qu'on voit les résultats n'ont pas encore été sortis, mais du coup, il a terminé son petit périple, et le périple consistait à coder, alors c'est pas coder, c'est faire des tâches de bureautique, donc là c'est plutôt Facebook, Twitter, Oui, de la doc, des choses Instagram, un comme peu de ça. doc, des choses comme ça, donc pas d'activité de coding en proprement parler, en se promenant, il me semble que c'est dans le massif des Cévennes ou un truc comme ça, dans le parc des Cévennes, avec du coup un gros sac à dos sur le dos, un espèce de chariot avec des batteries, des machins, et pour faciliter la chose, hein, il a un drone qui le suit en permanence et qui filme. Donc voilà, donc c'est une expérience un petit peu Oui, de là marcher. c'est vraiment expérimental, Voilà, c'est clair. c'était vraiment pour voir si ça marchait en fait, pour C'est ça, voilà. l'exercice. Ça s'appelle Je marcher sais pas avec si un pour la beauté drone. du geste. Oui, c'est ça, c'est Ouais. vraiment pour le truc. Et donc voilà, là il a créé une page qui raconte un petit peu son périple et toutes les photos qu'il a prises avec le drone et qui nous montre justement voilà la machinerie qui traînait avec lui. Donc on voit les panneaux solaires, on voit la petite charrette qui traînait, le sac à dos qu'il porte et la table qu'il a devant avec donc son Mac, ses souris, son machin, tout ce qu'il a pour bosser, sa connexion 4G, son petit domino Wi-Fi pour se connecter dessus, etc. Et donc voilà, donc c'était vraiment le résultat est plutôt surprenant. Est-ce que toi, Teddy, ça t'aurait séduit de marcher en travaillant, même dans ton bureau sur un tapis? Ah bah ça oui carrément. Ouais. Parce que le truc c'est que effectivement aujourd'hui quand on travaille on est assis. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on fait. Voilà. Mais en fait il n'y a pas spécialement de raison de rester assis. Donc, On pourrait très c'est bien moins travailler en fatigant. marchant. Ouais. Sachant qu'aujourd'hui, donc pour faire ça, il faut quoi? Il faut un tapis roulant. Ça se Et un trouve à peu bureau un peu n'importe où. surélevé. Et un bureau un peu surélevé. Donc ça existe déjà, les bureaux un peu Tout à fait. surélevés. Ça Ça s'appelle des s'appelle des, standing desks. voilà, des bureaux debout. Des bureaux debout en français. Ça s'achète à Ikea, très Voilà. bien. Et Et ça déjà, permet de bosser juste ça, c'est debout. déjà pas mal. Parce Carrément. qu'on peut très bien avoir un bureau debout et être debout 1 heure, puis après s'asseoir sur un tabouret, des choses comme ça. C'est tout à fait faisable, il y a déjà des gens qui le font. Tout à Ça fait. se fait déjà pas mal aux États-Unis, Ouais. notamment. Et en France, ouais, j'avais discuté justement avec quelqu'un qui travaille debout, qui a un standing desk, donc qui travaille pas en marchant, mais qui travaille debout. Et lui disait, en fait, il se sent plus dynamique. C'est-à-dire qu'il est là, plus dans l'action. Il y a des fois, il faut le reconnaître, on se retrouve vautré sur le canapé, enfin, sur le fauteuil, Carrément. et puis on n'est plus dedans, quoi. Là où, voilà, quand on est debout, y a pas, on n'a jamais ces phases-là où on est un peu vautré. Alors, il me dit, lui, le retour qu'il me fait, hein, je fais un petit aparté là-dessus, il dit, voilà, moi, quand je passe un coup de fil qui commence à s'éterniser, je m'assois. Mais après, je me relève, et puis je repars, et du coup, le fait d'être debout, ça lui permet d'être un peu plus dynamique, plus actif dans son travail, et d'avoir moins ces phases où il se laisse embourber dans le côté, je me vautre un peu dans mon fauteuil, de direction confortable, machin truc. Non, puis c'est une position beaucoup plus naturelle pour le corps humain, il Absolument, me semble, d'être debout que d'être assis, que c'est un peu oui, bizarre. tous les ethnologues nous diront, l'homme est Ouais, fait pour marcher, pas fait pour rester assis clairement. toute la journée. Et donc, ça existe déjà, donc les standing desks, on Absolument. peut tout à fait travailler debout. Et là, c'est toujours, comment il s'appelait? Alors, je vais Je peut-être entendre son nom, me évidemment, rappelle parce que jamais je l'ai son nom. oublié, mais c'est C'est toujours le... Benoît Pereira da Silva. Voilà. Qui, lui, carrément, il a rajouté un tapis roulant devant son standing desk. Et Absolument. donc, en même temps qu'il code, et pour de vrai, mais en même temps qu'il travaille, mais c'est un codeur, donc en même temps qu'il code, il marche. Ce qui fait Absolument. que c'est quelqu'un, il me semble, qui fait dans les 150 km par semaine de Oui. marche. Ouais, une petite Voilà. Alors, entre 10 et 15 par voilà, jour. c'est pas de la marche Non, à plus que ça. 40 km/h, hein, mais Non, c'est il une disait, marche voilà. tranquille à 3 ou 4 km/h, c'est-à-dire comme quand vous allez vous promener. Mais c'est juste qu'en même temps que vous bossez, et là, vous faites du sport. Et ça, c'est vachement bien, quand même. Voilà.
Alors, c'est pas du sport ultra intensif, mais c'est du sport sur toute la journée de travail. Donc, Absolument, effectivement, ouais. c'est vachement. Non, l'idée, c'est pas de perdre du poids, c'est de rester en mouvement, en fait. C'est ce qu'il explique. Il dit, mais je perds pas de poids avec ça. Si je continue à manger des McDo tous les jours, ça change rien au sujet. L'idée, c'est juste de changer un petit peu l'état d'esprit. Déjà, de retrouver la position naturelle de l'homme avec un H majuscule, hein, ami codeuse, vous faites partie des de l'espèce humaine. Et donc, de retrouver. Il dit, c'est pas possible. Bref. Et donc, du coup, de retrouver la position naturelle de l'être humain et surtout de D'être maintenir une actif en condition physique et de permanence. rester actif. Et c'est très bon. Et c'est rigolo parce que cette personne-là, au-delà donc du site où il regroupe un petit peu d'autres contributeurs, il n'y a pas que lui qui contribue sur ce site, même si c'est le fondateur du site Walking Working, il a été interviewé par une autre émission qui parle de développement, qui s'appelle NipDev, NIPDEV, qu'on vous recommande d'écouter, parce qu'elle est pas mal, hein, elle est intéressante. Elle sort un autre format que la Debugroom, mais elle est pas mal aussi. Oui, en fait, ça parle du développement en règle générale, Oui. mais surtout, c'est chaque émission traite D'un beaucoup sujet. plus en profondeur d'un seul D'un sujet. sujet, Alors, ouais. c'est pas Là une où. émission d'actualité comme celle qu'on peut faire, qu'on essaye de faire, tant bien que mal, C'est ça. mais voilà, c'est très complémentaire, tous les deux, on l'écoute, Carrément, ouais. moi j'aime beaucoup, j'écoute tous les épisodes qui passent. Absolument. Non, c'est vraiment intéressant. Et donc, justement, voilà, ils ont fait une émission sur développer en marchant. Et du coup, voilà, c'est l'émission 21. Donc, vous retrouverez évidemment le lien de cette émission où Benoît Pereira da Silva est interviewé pendant plus d'une heure, pendant 1h20. Et il raconte son projet, il raconte l'évolution du bureau debout, du bureau assis, etc. Il raconte tout ça dans les détails, comment lui il l'a vécu. Et c'est très, voilà, c'est vachement intéressant. Et c'est vrai que moi, ça m'a, j'ai toujours eu envie de le faire. Mais Bah en fait, il faut juste se lancer. Après, passer tout de suite au bureau où on marche en même temps qu'on travaille, c'est peut-être un peu cher. ouais. Il y a des éléments tout complets qui existent déjà dans le commerce, qu'on Absolument, peut ouais. acheter, mais ça coûte, enfin, tout de suite, ça coûte 1 000 $, quoi. Ou 1 000 euros, je ne sais pas. Ouais, on va Je vais dire pas 1 000 dire, j'avoue, euros. j'ai pas regardé. Tout de suite, ça coûte ce prix-là. Mais par contre, on peut déjà passer à des bureaux Des bureaux debout, ça se debout. trouve facilement chez IKEA par Voilà, exemple. sachant que très souvent, c'est des bureaux qu'on peut très facilement régler en hauteur Ouais. et que du coup, on peut le mettre en position debout On veut bosser quand debout, on veut bosser debout et puis on peut le quand on en mettre a marre, assis. juste on peut le baisser et puis Voilà. On peut mettre on est une bien. position intermédiaire si on veut être accroupi ou debout. Voilà. Enfin, on peut déjà passer par ça. C'est effectivement pour ceux d'entre vous qui nous écoutent, qui travaillaient dans une agence ou dans une entreprise, c'est peut-être compliqué de demander à son boss de mettre 1 000 balles Dans son dans son bureau, bureau, mais voilà, des mais bureaux debout, ouais. passer déjà dans un standing desk qui Absolument. va coûter un peu plus cher qu'un bureau classique, mais pas des masses, c'est franchement faisable. Absolument. Mais on fait l'économie du super fauteuil, du coup. Donc, on peut, tu vois, en termes de budget Ouais, global, clairement. super fauteuil plus beau bureau, peut-être que Clairement. ça s'équilibre à voir. Après, là où ça pourrait par contre bien marcher en termes d'arguments, pour ceux qui travaillent par exemple dans des SS2I, Ouais. où là il y a tout de suite la médecine du travail qui prend une place importante, etc. CHSCT et autres, Voilà, effectivement. c'est ça. Je ne connaissais plus le mot, donc C'est c'est eux. le Ah, je sais. CHSCT. Si, c'est le comité d'hygiène et de sécurité conditions de Autre. travail, quelque chose comme ça. Ouais. Là, vous pourrez tout de suite trouver des ressources sur le net, hein, très facilement, mais probablement même en français, qui explique les pourquoi et comment de la néfastité de travailler Du assis côté en néfaste de permanence. travailler tout le temps assis, très bien. Voilà. Ok. Ça, vous le trouverez facilement, et du coup, c'est quand même un argument, je pense, qui peut faire mouche Ouais, bien sûr, bien sûr. auprès du dirigeant ou du DRH de votre boîte Ouais. pour Non, mais s'il investir crée là-dedans. des nouveaux bureaux, tu vois, il pourrait peut-être faire l'effort d'en mettre, Ouais, je sais pas, voilà. une petite. Non, mais de Une demander tout petite partie simplement, à voir. comme souvent on va demander à un développeur quand il arrive dans une boîte, ça se fait de plus en plus, quelle machine tu veux pour bosser, est-ce que tu veux, ne serait-ce qu'un Mac ou un PC, Tout à fait. bah, tu peux demander aussi la même chose pour le bureau. Carrément. Voilà. Carrément, Pour carrément. la petite anecdote aussi, pour ceux qui écoutent d'autres podcasts que nous, notamment le Rendez-vous Tech, de Absolument. Patrick Béja, il y a, sous, enfin, il y a, je crois que c'est une fois sur deux que Jeff Clavier vient. Jeff Clavier, c'est un venture capitaliste qui travaille dans la Silicon Valley. Et lui, à chaque fois qu'il enregistre, qu'il participe au À Rendez-vous l'émission, Tech, ouais.
Il le fait en marchant sur un. Alors là, je pense à un simple tapis roulant. Je pense, oui, je sais pas. Bah, quoique, s'il parle en même temps dans le podcast, il a peut-être un ordi. Il a peut-être un ordi. Non, peut-être qu'il a un walking desk. Peut-être qu'il a un walking desk, on sait pas dire. Voilà, en tout cas, ça se fait de plus en plus. Je pense qu'en France, c'est pas encore du tout non. dans les mœurs. Mais voilà, si vous êtes freelance, vous pouvez tout à fait tenter un petit bureau comme ça. Commencer par le bureau. Le bureau debout, voilà, c'est un premier niveau. Et puis après, éventuellement, rajouter un tapis roulant ou pour aider. Mais c'est ce qu'il dit d'ailleurs. C'est ce que Benoît a dit dans son interview. Il dit voilà, voilà. Commencez par debout. Parce que si au final, debout, ça vous convient pas, bah, vous pouvez le rebaisser, mettre assis et c'est pas perdu. Quoi. Alors, sachant que, enfin, il faudra écouter, hein, il en parle vraiment en détail. Oui, ouais, c'est 1h20 à ce sujet-là, donc c'est voilà, intéressant. Vraiment, ça parle vraiment que de ça. Et voilà, effectivement, au début, ça fait un peu bizarre, si on a toujours travaillé assis. Voilà, moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, en tout cas. Tout à fait. Eh bien, écoute, je te propose qu'on conclue la zone 404 avec ce sujet-là. Mmh. Et qu'on dise, du coup, à nos auditeurs qui peuvent nous retrouver sur Internet, pour ma part sur www.benjaminazan.com et pour toi sur Twitter @bedibast ou sur demogroom.fr, l'émission du développement web et mobile. Et ben, on vous remercie de vous avoir suivi et on vous dit à très bientôt. Salut. Salut.